Non, je pense. Et what's up tout le monde, c'est Mogo, on se retrouve sur League of Legends pour on va checker la boutique plus les cadeaux du coup de chaque semaine. Donc j'espère avoir des trucs et tout. J'aimerais grave est-ce que ça sort. Déjà, ils ont promis un skin légendaire dans la boutique. Déjà ça, j'espère qu'il y aura. Est-ce que je suis grave? J'ai grave envie qu'il y ait un vrai skin légendaire. Bon, pour l'instant, j'ai que de la daube, hein. À part les skins d'Evelynn, c'est de la merde. Enfin, sauf celui-là, apparemment, il est stylé pour plein de gens. Ah, donc c'est ça le skin légendaire. Et il me donne Yasuo. Non, mais il n'y avait pas plus pire skin, genre, c'est abusé. Oh, lui, il est bon, lui. Oh, lui, il est bon. Je vais le prendre, celui-là. Oh! Je l'ai pas! Oui! Oh, je vais le prendre, je vais le prendre, je vais le prendre. Il est. Bah, tu sais quoi? Ah, j'ai DRP. Hop, il est pris. On est content. Donc, normalement, hop! Là, je reprends. Ah, c'est magique. Vous nous avez manqué. Content de vous revoir. Phare, il a pas joué, ça fait 100 ans! Content de vous revoir. Découvrez une nouvelle façon de jouer des. Champion des mises à jour de la Final Invocator ou du mode Aram et de nouveaux modes de jeu combat tactique. Récompense quand il a joué une partie par jour, toutes modes confondus pour gagner des expériences et l'expérience. Vous recevrez un coffre d'appareil et une clé après votre 7e jour de jeu. Carrément, genre, c'est ça, genre, si tu joues pas au jeu pendant un siècle? Oh la chatte! Frère, il a pas joué, ça fait combien de temps? Bref, let's go, on va aller checker. Hop. Alors. Bon, c'est de la daube. Pour de vrai, là, c'est le seul. Enfin, le skin de. Wow. Oh, je suis déçu. Oh, je suis déçu. Mais il y a que de la merde hein, pour l'instant. Ah, bah, il y a Sona. Sona Arcade qui est grave bien, grave, grave bien. Dravant. Et Ryze au queue. Y a pas de soucis. Y a pas de soucis, y a pas de soucis. Hop, déconnexion. Et on va se connecter avec l'autre compte directement. Je ferai mes petites coupures. TMTC. On est là. Hein. Même là, je peux déjà mettre. Enfin bref, ouais, il y a des trucs un peu chelous. Et on se retrouve sur un autre compte. Du coup, le tout dernier. On va ouvrir les orbes. C'est qu'on a des trucs de fou. Dans ce compte, il y a les AZC. Ok, donc déjà, on a un skin Mastery Project. Qui est magnifique. Mais on va jamais le prendre. On a Garen, bon ça on s'en bat un peu les couilles aussi. On a Ryze qui est grave beau celui-là, je l'aime bien. Warwick Infernal. Lucian Footballeur. Et oh Draven, oh je le veux celui-là, je le veux grave, 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 grave. Bon bah voilà, en globe ça sera tout pour les bails de ma boutique. J'aimerais bien savoir s'il y en a qui. Enfin je dis ça, je pense que je découvrirai vu que je sortirai la vidéo un siècle plus tard. Mais pour savoir bah, comment on a les cadeaux quoi. Parce que j'ai le truc. Bon on va ouvrir le coffre, juste pour voir ce que ça donne. Et on a Malphite de l'Odyssée. Ok, y a pas de souci. Bref, juste pour savoir comment on a les coffres. Là pour l'instant j'ai pas. Peut-être que j'attendrai, je verrai jusqu'à. Je verrai bah, ce soir pour le coup. Et ben bah, voilà, c'est tout. Voilà. Enfin, c'est la même vidéo. Bref, on va ouvrir la orbe chocolat. Pour voir ce qu'on gagne. Alors, jouer l'anniversaire des 10 années, donc une petite emote. Icône 10e année. Et balise des 10e années. Bah, c'est pas fou, hein. Si on gagne vraiment que ça sur les trois trucs, c'est pas fou de masse. Hein. Parce que moi, ben, je m'attendais franchement à avoir un truc de fou quoi. J'aurais même des skins. Peut-être qu'on devra attendre celui-là. Bref, voilà. De retour avec un autre compte. Hop. On va essayer d'ouvrir, espérons qu'on a autre chose. Non. Donc en fait, je pense que c'est le destin. On aura que icône de 10e anniversaire pour le coup. Donc c'est un peu de la daube, on va pas se mentir. Donc moi, je vais faire la mission sur le dernier compte. Et on se retrouvera pour le jour 3 du coup. Pour avoir le coffre d'apparat.
plus, et le jour 6, c'est tout. Le reste, je m'en bats un peu les couilles, littéralement. Voilà. Tout simplement. Attends, de la musique, tu vas aller te faire foutre. Hop, ouais. What's up les gens? On se retrouve pour ouvrir le coffre. Donc on est au troisième jour. On va ouvrir le coffre. Je ferai le coffre pour le sixième jour. Et pour les autres jours pour avoir le skin. Le skin légendaire. Bref, on go ouvrir cette boîte à paras. Je pense que j'aurai un personnage. Donc voilà, super, j'ouvre une boîte à paras. Ça me donne quoi? 500 licences orange. La joie absolue. Que dire de plus quoi, littéralement. Donc les gens, on est sur la suite, on est avec le petit coffre apparent, on va essayer le petit unlocker au calme, tranquille, pour voir ce qu'il propose. Ok, donc là je kiffe ma vie, là ça m'a mis un écran noir, j'espère. Ok, donc le coffre apparent nous donne forcément 525 essences bleues, essences oranges, donc c'est un peu de la daube. Donc je me suis fait niquer, on va pas se mentir, je me suis fait niquer. Ok, les gens, un jour différent. On a la sixième orbe, je crois, ou la cinquième orbe du jour, enfin de l'anniversaire, je sais plus c'est combien de trucs. Donc on va ouvrir, déjà je viens de passer level 190, donc on va ouvrir juste pour voir ce qu'on a. Hop, 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 ok, bon c'est de la merde. On va ouvrir l'orbe, donc dedans normalement, comme il est dit, ouvrez afin d'obtenir 4 fragments de skin aléatoires, un pour chacun des paliers. 520, 750, 975 et 1350. Donc soyez contents ceux qui n'ont pas de RP ou des trucs comme ça, des orbes, parce que c'est un truc de fou qu'on vous donne. C'est une orbe littéralement gratuite. Nautilus Purificateur, il est magnifique. Mais j'ai pas le Nautilus. 600 Arène des Lames, c'est mon skin épique et il est moche. Evelyn Tango, je l'ai déjà, je suis grave déçu. Anivia Reine du Carnaval, j'ai des skins de merde, à part celui-là parce qu'il est beau. Sinon j'ai que des skins de merde. Mais de merde, littéralement. Ça pas, vous ne savez pas. Bref, on va ouvrir le petit coffre, on va ouvrir ça en même temps. Singed, Lux, Essence Bleue. Azur Royaume des Guerres, Blitzcrank Guardian Butte, Gragas Brasseur Solaire et Kog'Maw. Bon, on a eu des trucs quoi. C'est pas foufou, mais. C'est correct. Je sais pas c'est quoi qui est derrière, mais c'est pas grave. Bref. Je ferai des petits cuts. TMTC, TMTC. Des petits cuts, des petits cuts. Alors, bref, on va ouvrir la première rampe. Enfin, le premier coffre. De la daube. On va ouvrir la deuxième coffre. De la daube numéro 2. J'ai pas de chance, quoi. Pff. Hop, on déverrouille le petit micro, on est là, on a le micro. Ok les gens, j'espère qu'on va avoir un petit skin bien bien plaise. Donc c'est un skin légendaire, forcément un skin légendaire. J'aimerais bien avoir un bon truc. Franchement, j'aimerais bien avoir un bon truc. Pour l'instant, j'ai que de la... J'ai que de la merde sur ce compte! Ah, je pète la gamme. Désolé.
Hop, ok les gens, c'est un autre écran. Qui à moi, du coup, on va ouvrir le petit coffre pour voir ce qu'on a. Franchement, j'espère qu'on n'a pas de la daube. Ah, Nivea des glaces noires! Waouh! Mec, on a tellement de la chance, c'est terrible. On a tellement de la chance. Bon, bah voilà, c'est tout. Nouveau jour, nouvel opening. On va ouvrir, bah là c'est sur ce compte là j'ai pris le temps en fait, j'ai eu le temps d'avoir tous les items. Donc on aura un coffre normal, le petit truc anniversaire, une orbe normale, le skin légendaire et les deux coffres à para. Donc on va faire le coffre normal, les deux coffres à para. Ensuite on va faire comment ça s'appelle? L'orbe anniversaire et ensuite l'orbe entière. Et ensuite pour nous rassurer on aura un skin légendaire, donc c'est déjà ça. Bon, vous êtes prêts? Let's go. Un petit coffre. Déjà c'est de la merde. On va pas se mentir, c'est de la daube en personnage. Bon après faut pas s'attendre à avoir un skin dans un coffre normal. Hein. Faut pas s'attendre à toujours avoir un skin dans un coffre normal. Déjà là j'ai un bug, je suis content. Janamis Météo, nice, un bon skin légendaire déjà, ça c'est insane. J'adore ce skin, il est magnifique mec. Et pour un ex-joueur Jana mec, j'aime bien. Franchement j'aime bien. Merci Riot. Enfin un skin bon sur un compte. Ok. Ensuite. Grave pistolet, bon je l'ai déjà, bon ça me casse un peu la tête, mais bon c'est pas grave. On va juste améliorer ça, mec, comme ça. Paf, vous voyez rien du tout, tu sais. Vous voyez juste ma cali, frère. Et mon petit level avec mon personnage, voilà. Mais là, level, hop, je l'ai caché. Tu vois, c'est sneaky. Bref, on a eu Grave pistolet, donc avec les deux coffres à para. Ensuite, on va ouvrir cette magnifique orbe de mes 10 ans. J'espère que j'ai pas de la merde. Sur les autres comptes, j'ai eu quoi? J'ai eu des essences oranges. J'espère là, j'ai pas d'essence orange. Ok, donc on a Fiora, oiseau nocturne. Il est correct celui-là, franchement il est correct, j'aime bien. Programme Soraka, pourquoi tu n'es pas venu sur l'autre compte? Littéralement. Olaf des glaces, bof. Et Dogmo, ok, donc le chien Kog'Maw. Sympathique comme 4 skins, lequel qui coûtait 1500, je sais pas. Je pense que c'est lui, hein, clairement. Non, c'était lui. Lui il coûte 1300, lui il coûte 750. Non, 975. Lui il coûtait 520 et elle a coûté 750, voilà. On les a tous. On a l'orbe, espérons qu'on a un petit backpack ou un bail du genre. Ok, pas du tout. Anivia, esprit d'équipe. Donc là, ça c'est de la daube. C'est Anivia en mode France, littéralement. Hein. En mode bleu, blanc, rouge. Et le skin légendaire, espérons qu'on a un truc de fou, s'il vous plaît. Snoop Dogg. Ok. Bon, ben on a eu Snoop Dogg. Why not? Ah, j'ai Kog'Maw sur ce compte-là. Sur ce compte-là, j'ai même pas Janna. Bref, ok, bah super. Bah, thanks to watch, hein, et merci d'avoir regardé le montage, même si je pense qu'il va être horriblement dégueulasse. J'ai fini!